Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en plein test d'un petit micro ici. Donc j'espère que ça va un peu améliorer la qualité de son et la qualité des vidéos. Je suis pas sûre de m'en servir à chaque fois parce que je filme également assez souvent avec le téléphone, alors j'ai un adaptateur, etc. Mais voilà, je vous promets pas qu'à chaque vidéo il y ait une belle qualité de son. Vous y habituez pas, mais je vais essayer de l'utiliser au max. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous donne des nouvelles de Quantum puisque finalement je n'ai pas filmé sa visite en clinique. Pas eu envie, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'image à la clinique en elle-même, j'y allais toute seule, donc voilà. J'ai pas filmé, mais je l'ai emmené là-bas. Déjà le matin même, ça allait beaucoup mieux, il n'y avait pas de sécrétion, etc. Mais je l'ai quand même amené vu les antécédents qu'il avait eus. Et il en ressort qu'il avait une grosse conjonctivite, donc heureusement pour moi et pour lui de toute façon. Et du coup voilà, j'avais une semaine à lui mettre du Fradexam, donc c'est une pommade dans l'œil. Et du coup tout est parti, tout est bien beau, vous le verrez après, il n'y a plus aucun problème. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait commencer les vraies étapes du débourrage, puisque j'ai envie de commencer tout ce qui est sac à patates, montoir. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà, je vous emmène du coup avec moi dans cette petite journée. On va aller chercher une copine que vous connaissez qui est Nathalie. Pas la Nathalie Dupré, mais Nathalie Univers. D'ailleurs, je vais aller le monter aussi après. Première partie du débourrage aujourd'hui normalement. Et c'est parti, let's go! Le poney a été ramené. Il a été gentil. Il est arrivé en premier quand on a appelé. Ça, c'est un bon piou-piou. Et il y a Nathalie qui nous a rejoint. Parce qu'on va avoir besoin de sa main malgré son orthèse. Pour tenir le ponichon. On va passer un petit coup de brosse et on va lui essayer une couverture aussi. Hop. Hop. Oh, pas doué. Tout propre pour essayer la couverture. Mimi, j'ai aucune pomme, aucune carotte. Que le bonheur. Du coup, oui, et de l'amour. Ouais, bah ça lui suffit pas. Hein. Regarde, il préfère la bouffe à l'amour. C'est pas gentil. J'ai des bonbons aussi, mais bon. 135. Ouais, c'est simple. Qu'est-ce que vous en dites de cette magnifique couverture? C'est beau? Oui. Eh bien, je lui ai jeté dessus le pauvre. J'arrive. Ça va et toi? C'était nul votre expérience. Bon, ça tu connais hein. Ça avec du poil blanc en dessous, c'est pas nouveau. L'avantage quand c'est toi Quantum, c'est que je peux laisser mon couvre-rein par là, il ne se passe rien. Oh, tu es joie et bonheur aujourd'hui, ça se lie à ta tête. On est heureux de vivre. Eh oui, mais t'as cru que t'allais être en vacances toute ta vie, toi? Moi, je te l'annonce, hein. C'était pas prévu comme ça, hein, dans le contrat, t'as pas lu les petites lignes, mon gars. Exactement. Attention, Nat, parce que... Voilà. Très bien. Là, mon piou. Là, oui, bien ça. En plus, mon gars, il y a la selle sur ton dos. Pas sanglée, alors tu ne bouges pas. C'est bien, Piu. Très très bien. C'est bien. Le Piu, on est inquiet quand même, hein, monsieur. Ah ben, il est jeune, hein. Ouais, mais je pensais pas que, vu que tu allais faire beaucoup beaucoup de choses, tu vois. Bah, pas non plus beaucoup beaucoup sorti, lui, hein. Oui, c'est vrai. Bon, puis il y a un truc qui roule aussi. Et puis là, ça fait plus d'un mois hein, qu'ils sont pas là. Ouais. Et que, ben, il a 3 ans, oui, hein. Oui, il y a la... Oui, très bien. Quand il lève la tête, tu peux encore lui. Oui, lui, il n'y a pas de problème. Comparé à Saf, où s'il lève la tête. Il y a une bêtise qui a été faite par Nathalie, ici présente. On vient de finir la séance de longe, mais en fait, elle n'a pas filmé. Enfin, elle m'a suivi hein, avec la caméra, tout ça, nous, tout va bien. Et en fait, à la fin, elle me fait. En fait, elle a commencé quand j'avais fini.
Voilà. Donc bon, je vais un peu le rallonger ou pas trop au galop, mais dites-vous bien que Cantou m'a fait sa séance de longe, il est très mignon, ça s'est bien passé, il a fait un petit cri au début en partant au trot tout content, genre iiii, voilà. Et je vais un peu le retrotter et galoper à chaque main pour que vous ayez 2-3 images, et voilà. Merci Nataloche. Champion du monde. Allez. Bon, je lui épargne le pas parce qu'il a très bien marché tout à l'heure, hein. Aou, 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 aou. Ben voilà, maintenant qu'il va avoir une mouche au cul et qu'il va être gazé. Doucement. Oh, voilà. Oui, je sais, il y a un truc qui te gêne. Alors, une mouche quelque part. Très bien, ça, mon piou. Cantoum, galop. Mais c'était au trot, le petit cri tout à l'heure. C'était dès qu'il a commencé. Sachant que là, on n'est pas à la bonne main pour lui. Il est couché, ouais. Allez. Ouais. Allez. C'est normal. Cantoum, trotter. Oh, oui. Très, très bien. Et galop. Oui, mais alors, il n'est pas parti une seule fois à faux. Oh, trop. Voilà, vous avez eu un saut d'arbuste qu'il n'y avait pas eu tout à l'heure. Et galop. Voilà, très bien. Ça filme là? Ça tourne, c'est dans la boîte. Ah bah non. Ah bah oui, ça tourne, lui aussi, il tourne. Non. Cantoum. Oh. Pas. Oui. Très bien. Et trotter. Cantoum, galop. Purée, mais c'est fou. Oh, il est pas parti une seule fois, hein, tout à l'heure. C'est pas grave. Cantoum, galop. Après, c'est pas bien grave, hein, mais... Allez. À son âge, on s'en fiche un peu, mais... C'est plus... C'est pour... Non, mais c'est pour l'aider dans son équilibre, surtout. Non, non. Garde ta place. Oui. Oh. Oh. Pas besoin de te rapprocher comme ça pour marcher, hein. Très bien. Très très bien. Je vais peut-être baisser encore. Hein, hein, je vais peut-être baisser juste après, pour... Après, passer la jambe. Ah non, tu passes pas. Bah là, je vais faire sac à patates, hein. Ouais. Bon, ça déjà il a... Ça, je sais qu'il a déjà pas peur. Petit bonbon. Tu m'en donnes, hein. Merci. Cantoum ? Tiens. Comment on fait ? Comment on tourne la tête ? Très bien, ça. Oui, il est trop mignon. Très bien. Il est trop mignon. Cantoum. Non, non, ça suffit. Très très bien. Ouais, bien. Faire le côté. Sachant que là en plus, monter à droite, super. Déjà de base, on sait pas faire. Bien ça, le plus. Bah oui. Non, tu l'auras après. Viens, concentre-toi sur ta mère. Voilà. Comment on fait pour monter à droite? C'est bien le plus. Très bien. Voilà, c'est très très bien. Regarde, ta mère est là. Non, non, c'est ta mère qui vient. Ah. C'est bien ça, mon chat. Il en reste deux. Très bien, très bien. Très bien. Oui, c'est bien. Voilà. Très
Très bien. Là, je vais mettre vraiment sec patate. Ouais. Tu vas lâcher le pied. Et... Non. Oui, tu les auras après. Non, excusez-moi. Voilà. Très bien le pied. Voilà. Très très bien. Un petit bout. Voilà, c'est très bien. Très très bien ça, dis donc. Tu essaies de faire marcher un peu? On marche un peu. Fantôme, marche. Marche, fantôme. Oui, bon, marche. Et stop. Oh. Oh. Très bien. Non mais c'est juste très, ça. Très bien. Très, pas plus. Bien. On va finir là-dessus. Mais t'as eu les bonbons. Il n'y a pas besoin de faire plus, on est d'accord. Oh, hein. Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Très très bien. Oui, c'est très bien. Voilà. Faut le laisser réfléchir là-dessus. Et... Si c'est pas posé de questions, non, tu vas l'avancer. Et... C'est très très bien. C'est bien mon chat. Il aurait pu se camper comme ouais. Ça. Bah il a pas compris, pour avancer un peu. Oui, bon mais ça c'est normal. Mais c'est très très bien. On va t'enlever la selle. Oui. Et on va. Ça, il est pas tout bouffé. Bah non, parce que je le referai tout ça. Ouais. C'est bien, hein, mon chat. Une force bébé, là, ouais. Une force bébé. Mais c'est pas posé de questions, ça va pas. Non. Même pas... pour monter, en plus, je le montrerai jamais en vrai comme ça, tu oui, vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment pas posé de questions. Juste, c'est ça, donc que je prenne la selle. Donc, tu sais, j'aurais plus vu les qui se campent. Qui se campe comme ah, du genre ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Lui, bon, ok, au début il a hésité au pain, mais. Ouais, il dit, mais je dois marcher avec l'autre au-dessus là. Ça. Bon, ça fout, t'avais pas envie de manger? Parce que Quantum il mange depuis tout à l'heure. Hein. C'est par là. Celle-là. Et il dit, dis-moi merci. Bon, et le poney, très bien, hein, comme vous avez vu. Finger is the noise, wind de sabot. Donc non, je suis vraiment très contente, il a pas bougé, pas d'émotion. Et du coup, ce qu'on disait avec Nathalie, c'est que quand je suis montée dessus, il a même pas bougé d'équilibre, enfin, il a pas été gêné, etc. Donc très bien. Et à la fin, comme vous avez vu, on a fait quoi? Deux pas, je crois. Deux, allez, trois, quatre pas. Au début, le marché, il était là, qu'est-ce que je dois faire? Mais il a été très mignon, et après je suis descendue, et on a arrêté là-dessus. C'est vraiment histoire d'eux, et il faut que je fasse ça bah, tous les jours un petit peu plus. Et voilà, mais très contente de lui, il a été vraiment hyper mignon. Donc là, ils sont en train de manger leur biotine. Parce que d'ailleurs, en parlant de biotine, je vais vous le montrer parce que j'ai renvoyé déjà les semelles d'essai. Mais Jeannette de chez Cheval Ami m'avait envoyé les semelles pour essayer à Saphir pour les hypo-sandales. Donc je devrais pas tarder à les recevoir là et on va pouvoir faire plein de choses avec Saf et reprendre vraiment tout le travail, etc. Donc ça va être chouette. Et là du coup le programme de la journée, enfin la suite, c'est que je vais aller monter Univers du Diable. Et voilà, le programme n'aura pas été hyper chargé aujourd'hui, quoique on aura quand même fait le premier sac à patates du poney, et ça c'est pas rien. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça et surtout qu'il a été trop mignon. Merci Nat de m'avoir aidée. Merci Poney d'avoir été si gentil. Voilà. Parce que voilà, c'est des choses que je peux pas faire toute seule. Et c'est vrai qu'auprès, je suis 90% du temps seule. Mais ça, je peux pas. Même s'il bouge pas, faut forcément. Bonsoir vous. Il me faut forcément quelqu'un qui me le tienne, qui me le fasse un petit peu marcher. On a fait 4-5 pas, tout ça. Du coup, là, il va falloir que un peu tous les jours je fasse ça. Et puis voilà, ça va avancer tranquillement, mais je suis contente, il a pas bougé, il a été hyper mignon. À mes souhaits. Bon, ça y est, on vient d'arriver voir Uni, et devinez quoi, j'ai oublié mon casque. Et ok, on est à peu près à 20 secondes en voiture, mais j'ai la flemme. Alors vous inquiétez pas, je vais monter avec un casque, Nathalie va me prêter sa bombe, mais du coup je vais pas avoir la même tête. C'est quoi ta bombe d'ailleurs? Bon, ouais, c'est bon. J'ai acheté un cheval shop. Ok, génial, merci voilà. Pour le... je sais pas. Bonjour. C'est pas le concerné hein, qui est ni. Oui. Ouais. Est-ce alors... qu'on peut dire bonjour? Ah, bah voilà. Et bonjour mon bonhomme. Comment ça va? Bonjour mon ça bonhomme. Va bien. Et ouais, c'est encore moi. Ah bah oui hein. C'est encore moi, on s'est vu hier et c'est encore moi. C'est un casque d'équitation, oui. Harry Horse. Ah mais décidément. Entre la sangle et le casque. Montre comment ça me va. Déjà, je suis à contre-jour à fond la caisse, là, dit-on. Je vais vous poser sur le foin, on va voir ce que ça donne. Bah ça vois, fait comment matin. Ça fait bien. Non, mais genre, j'ai une bonne tête ou oh, bah ouais, ça va? Je vous plais? De toute façon, il n'y a pas le choix. Ah oh. Mais madame, vous avez pas mis dans les passants? J'ai mis à droite, mais pas à gauche. J'ai... Non, à droite, c'est moi qui les ai mis tout à l'heure, là. Il y a à peu près 30 secondes. Madame, tu fais toujours
Ah oui, mais c'est normal parce que quand je ressemble, je les mets après moi. Quand je ressemble. Bon, là, j'ai ressemblé du coup. Oui, oui. Ah, ça change de taille là, comparé à Cantuminus. Oui. Pas besoin de la piste pour faire des épaules. Oui. Ah, c'était pas bien. Égal. Oui. Oh. Allez, on va tourner à droite. Très bien. Oh. Oui. Oh, il est gentil ce petit. C'est bien. Tu sais que tu comprends pas tout ce qu'il faut faire, mais c'est bien. Allez, on va tourner entre les deux barres. Et on va s'arrêter au milieu. Enfin, on va essayer. Oh. C'est bien. Allez, et on va tourner à gauche. À gauche toute. Si, à gauche toute, pas la sortie. Voilà. Gauche, gauche, gauche. Encore, 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 encore. Oui. Et à droite. À droite, à droite, à droite. Très bien. Encore, encore. Encore autour de la barre. Autour de la barre. Mais oui. Purée, une fois, c'est bien. Fini. Oh oui. A few moments later. Bon les loulous, je viens de rentrer chez moi. J'ai complètement oublié de terminer la vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je suis encore une fois très contente de Cantum. Après, je le savais, hein, je l'ai toujours dit que, enfin, on n'est pas du tout dans les étapes avancées du débourrage, mais c'est un poney qui est très bien dans sa tête, qui est très gentil et qui a surtout confiance en moi. Donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait que le débourrage va très bien se passer. Là, on a fait une première petite étape et du coup, ça va être la même chose les jours prochains. Ce week-end, il y a Cassandre et Jean, donc de la chaîne Rêve Compulsif, qui viennent me faire un petit coucou. Donc, vous aurez également des images. Je lui ai demandé si ça lui disait qu'elle me tienne Cantum pour encore une fois faire le sac à patates, etc. Et du coup, ça sera le programme des prochaines vidéos pour vous aussi. Je ne sais pas exactement tout ce qu'on va faire, mais forcément, dans les vidéos qui suivent, vous verrez l'avancée de Cantum. Donc voilà, je suis encore une fois contente de pouvoir faire ça avec lui et de pouvoir vous le partager. Et moi, ça me fera encore une fois des souvenirs gravé à jamais, donc c'est très cool. Quant à l'univers, il a été très mignon. Je l'ai eu moins bien que hier parce que je le monte deux fois par semaine et hier il était très bien en tout point. Aujourd'hui moi j'étais moins précise, donc ça s'est ressenti, il était un peu moins précis aussi, mais dans l'ensemble je suis contente. On devrait prendre un cours de saut la semaine prochaine et voilà, objectif complet dans les semaines, mois qui suivent. On sortira forcément un petit peu en CSO, je pense aussi. Enfin bon, cette nouvelle année promet d'être riche en émotions et voilà, j'ai hâte de vivre tout ça avec les chevaux mais aussi avec vous.
Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.